Bonjour et bienvenue à l'Église Le Portail. Quelle joie de vous accueillir. Merci de vous joindre à nous pour ce message. Je suis Aidley Denis un des pasteurs de notre belle équipe du portail, je sers principalement au site de Terrebonne. Comme vous le savez, nous avons quatre sites à notre église de Portail. Nous avons le site principal qui est à Laval où on fait deux services le dimanche 9h30 et 11h30. Le site de Terbonne, on a aussi deux services 9h30 et 11h30 le dimanche. Nous avons aussi notre site à saint eustache qui fait son service le dimanche à 10h. Et nous avons notre site aussi à Malartic en Abitibi qui fait son service à 10h. Et nous souhaitons euh, la bienvenue aux gens de Malartic. Une salutation spéciale à vous pour euh, ce message. Nous sommes toujours dans la série Variété. Et donc, ce sont des textes libres que les prédicateurs choisissent. Donc euh, voilà, nous nous lançons. Et juste avant, nous allons dire un mot de prière. Merci, cher Seigneur, pour ton amour, pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits envers nous. Merci pour, pour l'opportunité que tu nous donnes de, de parler pour toi. Merci, Seigneur, pour ceux qui se sont joints avec nous. Nous te demandons de, de parler à leur cœur. Nous te demandons de, de nous armer de ton esprit, que toi seul puisses parler à travers nous, que nous puissions disparaître et que toi seul puisse parler, car ton esprit sait exact, exactement ce que chacun a besoin d'entendre. Que ton nom soit béni, nous te prions, dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas si, uh, si vous suivez la technologie, de toute façon, même si vous ne la suivez, vous ne la suivez pas, désolé, vous êtes sûrement et, uh, et, uh, au courant de ce qu'on appelle les... De ce qu la technologie, l'intelligence artificielle, excusez-moi, je, je cherche le mot l'intelligence artificielle. En fait, on est assez avancé. Mais on est quasiment au tout début de tout ce que cette intelligence-là peut faire. Au Québec, oui, on est un peu en retard parce qu'il n'y a pas encore assez, assez de, de, de professionnels dans, dans ce domaine. Mais on est déjà là dans un certain sens, car mes enfants déjà à l'école utilisent l'intelligence artificielle pour faire tellement de choses. Ils peuvent faire des textes, ils peuvent faire euh, leurs leur devoirs. Donc, vous avez sûrement vu et entendu. Des, 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 des gens qui sont décédés avec l'intelligence artificielle, qu'on qu qu fait parler, qu'on qu qu va passer même des entrevues avec eux, eh bien, on, on est là. Puis l'autre fois, il y a une danseuse qui me racontait qu'il a donné des paramètres à ce logiciel pour euh, composer une prière. Et. L'intelligence artificielle a composé une prière, une excellente prière, une très belle prière. Donc, imagine-toi, si tu veux faire une prière de louange, tu vas donner des paramètres à l'intelligence artificielle. Il va te, elle va te composer euh, une prière de louange. Mais sauf que, évidemment, il s'agit d'une intelligence artificielle qui n'a aucun cœur, qui n'a pas de cœur, qui, qui sépare. Comme vous savez, l'intelligence a, a été créée. Donc, tout comme l'intelligence artificielle nous envahit, et de tout pas, et ça va en progressant, j'ai aussi l'impression de nos jours que nous sommes aussi envahis par des gens, peut-être des fois, qui se disent chrétiens, mais se comportent comme l'intelligence artificielle. En ce sens que, que j'ai l'impression que des gens, on veut, on, vit, on veut adorer Dieu, on veut se dire chrétien, mais toutefois, notre cœur n'est pas attaché au Seigneur. Donc, on, on sert Dieu de manière art, artificielle. En tant que chrétien, nous devons euh, chercher à honorer Dieu. Pas juste de façon artificielle. Pas de façon artificielle, mais avec un cœur sincère. Donc, c'est là mon titre ce matin pour vous. Honore le Seigneur avec un cœur sincère. Alors, si permettez-moi de, de rapidement... Et, euh, Définir un petit peu ce que je veux dire par honorer, si on prend le verbe honorer, en fait honorer peut, peut vouloir dire euh, à plusieurs significations. Donc ça peut être vanter, vanter quelqu'un. lorsqu'on parle de Dieu, ça va être de, de le sanctifier, de le glorifier, même de l'adorer. Donc on parle de, c'est la façon qu'on, c'est ça qu'on appelle honorer Dieu. Ce sont tout, des, tous des synonymes qui nous disent oui, c'est d'honorer Dieu de, de cette façon. Donc euh, euh, il est arrivé que, en Matthieu 15, que je vais lire pour vous, Jésus a eu affaire encore une fois avec les scribes et les pharisiens euh, qui cherchent toujours à piéger Jésus. Et nous allons voir euh, un texte qui nous parle de la sincérité du cœur. Et euh, donc, je vais tout de suite euh, lire pour vous, si vous voulez bien tourner avec moi dans Matthieu 15 le verset les versets 1 à 9 Les versets 1 à 9 Je lis pour vous Matthieu 15 1 à 9 Alors euh, des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dire Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit, Et vous Pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition Car Dieu a dit, Honore ton Père et de ta Mère, et celui qui maudira son Père ou sa Mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, Celui qui dira à son Père et à sa Mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Esaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple hein, m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Comme je vous ai dit, les scribes et les pharisiens étaient toujours, euh, étaient toujours à la recherche de piéger Jésus. En fait, ils avaient comme une brigade spéciale qui cherchait à, à, à piéger Jésus dans tout ce que Jésus disait. Et là, Matthieu nous rapporte une fois ils sont venus voir Jésus pour interpeller Jésus au sujet du lavage des mains, des mains des disciples évidemment avant de manger. Alors qui, qui étaient les scribes Ra Parlons rapidement qui étaient les scribes. Les scribes en fait c'était tout simplement euh, des, on appelle ça des, des gens, des, des, une sorte de, de professionnels, euh, des copistes qu'on peut dire, qui écrivaient les lois. Qui interprétaient la loi, donc principalement, évidemment, on parle de la loi de Moïse. Ils avaient une connaissance profonde de la loi et ils enseignaient aussi la loi juive. Donc, ils, donc comme je disais, ils copiaient des, les textes. Tandis que les pharisiens, les pharisiens, c'est une, une secte, c'est un groupe religieux qui généralement était un peu plus instruit, qui, qui, était, qui, était uh, qui était un peu plus haut dans la société. C'était principalement des chefs religieux, des chefs politiques. Qui influençaient les gens ordinaires, aussi qui influençaient les lois et qui les imposaient au peuple. Les scribes n'étaient pas nécessairement des pharisiens, mais il y avait beaucoup de scribes parmi les pharisiens. Donc, voilà ce qu'il y en a pour les scribes et les pharisiens. Donc, on parle de deux groupes de gens qui connaissaient très bien la loi juive, qui sont venus voir Jésus et qui demande à Jésus, et pourquoi tes disciples ne se lavent-ils pas les mains en mangeant ben, moi, moi aussi, en, en lisant, je dis, mais pourquoi ils ne se lavent pas les mains Si les mains sont sales, il faut bien qu'ils lavent les mains. Et euh, en fait, c'est plus que ça. En fait, ce que les scribes euh, voulaient faire, l'accusation qu'ils voulaient porter à Jésus, c'était d'accuser Jésus député rituel pour avoir mangé. Sans s'être lavé les mains. Il faut comprendre la notion de pur et d'impur est fortement enracinée dans l'Ancien Testament. Ce qu'ils accusaient, et les disciples de Jésus, était purement rituel. Lorsque quelqu'un touchait, par exemple, à un cadavre ou, à, ou mangeait un certain type d'aliment, elle pouvait contracter ce qu'on appelle une souillure bien définie selon euh, la nourriture qu'il avait mangée dont elle n'était plus rituellement en mesure d'offrir le culte à Dieu. Parce que là, tu deviens, tu n'étais pas saint. Alors, avant de pouvoir s'approcher de Dieu, cette personne devait se plier à cet rites de purification prescrit par la loi. Mais le problème, c'est que les anciens avaient ajouté une tradition au rite de purification. Ils insistaient notamment pour que les juifs, avant de manger, respectent une procédure de purification en se lavant non seulement les mains, mais aussi jusqu'aux coudes. Et s'ils avaient marché avant, il fallait qu'ils prennent un certain bain aussi, un bain rituel. Donc les pharisiens critiquent les disciples, critiquaient les disciples. De ne pas avoir observé dans le détail ce qui était prescrit par la loi juive. Non pas qu'ils ne se sont pas nécessairement lavés les mains, mais ils n'ont pas observé dans le détail ce qui était écrit. Jésus leur reprend en leur disant Écoute, vous transgressez le commandement de Dieu, qui n'est pas seulement une simple tradition vous faites passer vos traditions. Avant le commandement de Dieu. Parce que la loi juive disait en réalité Honore ton père et ta mère. Donc vous connaissez ce passage Honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais ce qui s'est passé, c'est que les juifs ont décidé, les anciens ont décidé de. Euh, ils ont décidé de, de trouver une façon. De, de ne pas respecter ce commandement-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, OK, celui qui dira, il y avait, il y avait une formule. Si tu dis cette formule-là, en disant, écoute ce que j'aurais pu te donner, et là je paraphrase, est réservé à l'offrande à Dieu, donc je si dois le donner en offrande à Dieu. Donc si tu dis ça, donc tu n'étais pas obligé de prendre soin de ton père et ta mère. Alors, la façon qu'on peut, qu ici, qui était compris dans le temps, Honorer son père et sa mère, oui, c'est du respect, mais c'était aussi de prendre soin financièrement de ses parents. Alors, les anciens ont trouvé une manière de ne pas respecter ce commandement en ajoutant ce qu'on appelle en, en ajoutant une tradition, tout simplement, et dire non, écoute, si tu dis cette phrase à tes parents, tu n'es pas obligé d'en prendre soin, c'est-à-dire, écoute ce que j'aurais pu te donner. Est réservé à, à une offrande à Dieu. Donc, je, je peux pas. Donc, ainsi, ce qu'ils font, en fait, ils annulent la parole de Dieu au profit de leur tradition. Le commandement de Dieu dit quelque chose, et donc, ils l'annulent tout simplement par une tradition. C'est comme euh, ils sont en train de reprendre Jésus sur, sur une tradition qu'ils ont eux-mêmes inventée et ajoutée. Alors qu'ils sont en train de ne pas respecter le commandement de Dieu. C'est comme un meurtrier qui, 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 qui vient tuer quelqu'un et qui est en train de reprendre une autre personne en lui disant hey, calme-toi, pourquoi tu es si violent Toi, ça n'a ça, ça aucun sens. Tu viens tuer quelqu'un, quelqu'un qui fait juste s'énerver, tu lui dis de se calmer, donc ça n'a aucun sens. Donc, mon premier point ce matin pour vous, c'est la parole avant les traditions. La parole avant les traditions. En fait, Jésus veut nous mettre en garde contre le danger de vivre notre foi de façon, de manière superficielle. C'est un commandement qu'il reproche vraiment aux scribes et aux pharisiens qui, qui se scandalisaient par rapport au lavage des mains. Un cœur sincère qui veut honorer Dieu cherche à comprendre ce que dit vraiment la parole. Aujourd'hui, on rencontre des gens... Qui veulent vraiment mettre leur tradition, leur façon de penser, leurs habitudes de vie avant la parole de Dieu. On retrouve le même comportement aujourd'hui. Alors, les gens de Nathalie disent il y a la parole, mais ils veulent passer leur tradition avant la parole. Des gens qui vont te dire oui, mais euh, écoute, pourquoi je suis obligé de me marier? Le mariage, c'est une invention d'homme. Pas besoin de me marier. Mais ils disent, ils viennent à l'église, puis ils veulent ils, disent, ils veulent faire plaisir à Dieu, ils veulent honorer Dieu. Alors, que, que, que font-ils du verset qui dit L'homme quittera son père, et sa mère s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chère dans le Nouveau Testament aussi. Et uh, c'est bien, c est, c est, c est bien uh, dit Paul. Paul parle aussi uh, de... De ceux qui ne peuvent pas s'obtenir qui, qui se marient, donc c'est vraiment c'est vraiment clair au niveau de la Bible concernant la persévérance. Il y en a même qui vont dire bon il y a aucun endroit dans la Bible où c'est écrit qu'il faut aller à l'église qu'on est obligé d'aller à l'église qu'on peut vivre sa chrétienté de façon seule chez nous. Alors que qu'est-ce qu qu'on fait du, euh, des paroles du livre de, de bois qui nous dit n'abandonnons pas notre assemblée la, comme c'est la coutume c'est la coutume de quelques-uns de, on voit aussi que, on voit aussi plusieurs autres passages qui nous montrent que oui, il y avait persévérance entre les frères, frères et les soeurs. C'est la manière d'avoir la communion ensemble, d'être ensemble, de s'encourager. Il y en a qui vont parler de, qui vont dire, oh, mais la, la fornication, le sexe avant le mariage, c'est écrit où ça? Pourquoi, pourquoi on ne peut pas? Paul va le dire dans, dans 1 Corinthiens Corinthien 7, verset 9. Mais s'il manque de continence, comme je viens de dire, qu'il se marie, quand il vaut mieux se marier que de brûler, il va dire aussi au Thessalonique, dans Thessaloniciens 4, verset 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous absteniez de l'impudicité. Donc, c'est clair par rapport à ça que la fornication est, selon la Bible, et, euh, non conseillée, évidemment. Dieu demande à ce que tu... tu Sois sanctifié. Et si tu veux sanctifier, tu veux faire plaisir à Dieu. Si tu veux faire plaisir à Dieu, tu veux honorer Dieu. Évidemment, tu vas évidemment, et, uh, suivre uh, sa parole et suivre ses commandements. Il y en a qui vont même dire, oh, ben, je ne suis pas obligé d'être membre à l'Église. C'est écrit où dans la Bible qu'on doit être membre à l'Église. Alors qu que, que, que notre discipline, c'est on te demande d'être membre, de, 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 de te faire baptiser, d'être membre. Il y en a qui vont dire, oui, mais... Où ce que c'est écrit? Oui, c'est vrai, la Bible n'aborde pas directement le statut de membre officiel d'une église, mais plusieurs passages le sous-entendent. La conception même d'être membre de, du corps de Christ le sous-entend. Dans Romains 12, verset 5, et Paul va nous dire Alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps par notre union avec Christ. Et nous sommes, et chacun, pour sa part, membres les uns, les autres. Alors nous pouvons voir l'esprit qui, qui est là. Ou du moins, je ne suis pas obligé de respecter des règles à l'église. Plusieurs gens disent, oui, mais c'est des règles d'homme. Pourquoi moi, je ne dois, je dois, je suis, suis pas obligé de respecter les règles de l'église. Donc la Bible nous met en, en, en garde de respecter de ne pas respecter les autorités. La Bible nous demande de respecter les autorités de Matthieu 13, verset, verset 1, en disant que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui, qui existent ont été instituées par Dieu. Donc, ce n'est pas ta, ta coutume, ce n'est pas ta façon de penser, ce n'est pas ta tradition qui importe, c'est la parole de Dieu. Donc, si tu veux honorer Dieu, la première des choses, c'est vraiment c est, c est de, de mettre sa parole en pratique et d'obéir à ses commandements. Il y a certains qui voudraient même avoir une petite Bible pour eux. Bon, oui, mais la Bible dit ça, moi, je veux avoir ci, je veux faire ça. On ne peut pas faire une petite Bible juste pour toi, mon frère, juste pour toi, ma soeur. La parole de Dieu est oui et amen. Donc, si tu veux honorer Dieu, il faut chercher à obéir à la parole. Il faut passer la parole de Dieu avant les traditions. Un autre danger qui, qui, peut, qui, qui nous guette à l'Église, c'est que on voit que les, les, les scribes, les pharisiens connaissaient très, très bien la loi. Et des fois, il y a des gens qui connaissent bien la Bible. Et qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont essayer de trouver des versets pour cautionner ce qu'ils veulent. Ils vont vouloir détourner la Bible. S'ils pouvaient ajouter ou étranger, ils le feraient. Mais ça, ce n'est pas d'honorer Dieu. On veut vivre d'une certaine façon, on veut et euh, on va vouloir cautionner un certain acte, puis on essaye de trouver dans la Bible, mais quel verset qui peut m'aider à cautionner cet acte? Ce n'est pas très honnête, ce n'est pas sincère, ce n'est pas un cœur sincère. Il y en a même qui cherchent une église pour accepter leur façon de vivre, de débauche, de façon de. de, 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 de une église qui va accepter le, le péché. Si tu décides que ça te prend deux femmes au lieu d'une femme, ben non, je n'ai pas de verset, je n'ai pas de verset pour ça. Et alors, il n'y a pas d'exception non plus, même en temps de pénurie, non, si tu ne veux pas plus avoir de femmes en temps de pandémie non plus, donc ça, il n'y en a pas de verset. En fait, ce que Jésus voulait dire aux pharisiens, escribe, ce est, il n'est, il ne faut pas passer tes coutumes, tes, coutumes, tes traditions, avant la parole de Dieu, c'est ce qui est le plus important. Donc, d'un côté, tu fais, ce que tu veux vraiment honorer Dieu, tu veux servir Dieu, tu démontes, tu veux le faire, mais de l'autre côté, c'est ta façon de penser, c'est ta coutume, c'est tes traditions qui compte. Alors, frères et sœurs, ne déformons pas la parole pour ton profit. Des fois, Oh, des fois, c'est notre ami, c'est notre soeur, c'est notre frère, c'est notre famille, mais on veut trouver une façon de, de contourner la parole. Et soyons conséquents avec nous-mêmes. Soyons conséquents avec nous-mêmes. Alors, la, la suite de la conversation, c'est que Jésus le traite d'hypocrite. Il le, le traite les pharisiens et les scribes d'hypocrite. Et il y a même une prophétie qui s'est accomplie avec euh, leur comportement, parce que Jésus dit, une prophétie d'Ésaïe s'est accomplie. Ce, cette, cette prophétie se trouve dans Ésaïe 29, verset 13, Ce peuple a mon nom des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ce peuple a mon nom des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ça se peut qu'on lève les bras, qu que tout le monde voit qu'on est en train de louer Dieu qu'on dit qu'on honore Dieu, mais dans le fond, on n'a pas un cœur pour Dieu. Notre cœur est témoigné. Et il rajoute, c'est avec qu'il m'honore en enseignant des principes, des principes qui sont des commandements d'homme. Waouh, ça veut dire que ton adoration, ton adoration, oui, est importante pour Dieu. Mais vouloir l'honorer, vouloir c'est l'idéal. Mais, mais si tu l'honores et que ton cœur ne l'appartient pas, comme la parole vient de dire, c'est en vain. C'est en vain que tu honores Dieu. C'est en vain que tu veux l'honorer. C'est en vain que tu viens à chaque dimanche. Mais ben, je veux quand même que, que tu viennes. Toutefois, il faut faire l'effort pour que ton cœur appartienne à Dieu. Restez quand même avec moi. Le but n'est pas de te de, de, de décourager, mais c'est de t'encourager. Et, et tu vas voir à la fin, je vais te donner des choses qui peuvent t'encourager pour, pour honorer notre Seigneur. Parce que, évidemment, on ne peut rien par nous-mêmes. Donc, euh, Dieu prend plaisir dans ton adoration. Dieu prend plaisir lorsque tu l'honores, mais quand tu le fais avec un cœur sincère. Quand tu le fais avec un cœur sincère. Donc, mon prochain point, c'est un cœur sincère avant l'adoration. Un cœur sincère avant l'adoration. Nos remerciements, nos célébrations pour, pour Dieu, même nos sacrifices, venir à l'église, le dévouement qu'on qu a pour le service de Dieu, l'argent qu'on donne, tout cela n'impressionne pas Dieu. Tous les comportements, tous les gestes qu'on fait n'impressionnent pas Dieu si ton cœur n'est pas pour lui. Si ton cœur n'est pas pour le Seigneur, si le Seigneur n'est pas le maître de ta vie. Ton cœur n'est pas... Mais tout cela ne l'impressionne pas. David va dire dans le 51, verset 18, « Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Donc, ce qui est important pour Dieu, ce ne sont pas d'abord tes sacrifices. Oui, tu peux apporter des sacrifices, mais d'abord... Il veut que tu fasses sa volonté. Il veut avoir ton cœur. Il veut que ton cœur lui appartienne. Il veut que tu lui donnes l'autorité sur, sur ton cœur. Il veut te posséder, toi. Ensuite, on parlera de sacrifice. Donc, tout ce qu'on fait, d'abord le cœur. D'abord le cœur. Et il va ajouter au verset 8, lorsqu il, lorsqu il, lorsque David parle, il va dire Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Donc, ce que Dieu veut, c'est que. C'est un cœur qui est sanctifié, un cœur sincère qui puisse l'honorer. Hébreu et 10, verset 22 va nous dire Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps et le corps lavé d'une eau pure. Approchons-nous avec un cœur sincère. Tu veux honorer Dieu? Approche-toi avec un cœur sincère qui veut vraiment honorer Dieu, qui veut mettre ses commandements en pratique, qui veut vivre de façon à lui faire plaisir. Tu ne peux approcher Dieu, le louer, tout en pratiquant le péché. Tu, me, tu ne peux pas approcher Dieu, le louer, tout en sachant que ton cœur n'est pas purifié. Tu peux le faire si tu veux, mais comme... La parole vient de le dire dans Matthieu, c'est en vain que tu le fais. Alors, peut-être que tu peux commencer à penser ce matin, comment je peux, je peux honorer Dieu avec un cœur sincère? Comment, qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai pour vous quelques, quelques euh, façons pratiques que tu pourras honorer Dieu de façon, que tu pourras honorer Dieu à chaque jour de ta vie et d'essayer de le faire de façon sincère. Donc, mon troisième point, c'est honore Dieu par ta vie. Nous honorons Dieu quand nous, nous agissons de manière à refléter, et à prouver qu'il dirige notre vie. Si tu agis de manière à refléter que Dieu dirige ta vie, tu es en train de l'honorer. Donc, un Corinthien... Et à 10, verset 31, il va dire Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit, soit quoi que vous fassiez, en fait, faites tout pour la gloire de Dieu. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque, quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, 31. Donc faites tout pour sa gloire. Le mot, ici, comme le mot glorifier, c'est de l'action d'honorer Dieu, d'honorer quelqu'un en lui donnant gloire, avec la notion d'estime, de respect. Nous glorifions et honorons à Dieu quand nous reconnaissons et apprécions ses attributs, car ses attributs de sainteté. Si nous voulons honorer Dieu, il faut il faut connaître, il faut savoir qu'il est saint. Et si Dieu est saint, je dois m'approcher. Je peux pas m'approcher de n'importe quelle façon. Je ne... donc je ne respecte pas et son attribut de sainteté. Je veux l'honorer. Toutefois, je ne respecte pas ses commandements. Je veux vivre à ma manière. Je ne veux pas respecter sa parole, son caractère qui est parfait. Mais nous honorons également Dieu quand nous raisonnons et agissons de manière reflétée et à prouver qu'il est notre Seigneur. J'ai quelques rapidement. Quelques conseils à vous donner de la façon que dans votre vie, vous pouvez honorer Dieu. Donc, ça veut dire que de tout ce que vous faites, vous le faites vraiment pour sa gloire. Première des choses, passe du temps avec Dieu. Passe du temps avec Dieu. Quand on rêve à Dieu, on cherche à se rapprocher de lui, à se lier à lui, à passer chaque jour du temps avec lui, Le consacrer une partie de, de, notre, de notre temps par la prière, l'étude de la parole et la méditation. Plus que tu fais quand Dieu, plus que, que Dieu se révèle à toi, plus que tu le, tu le connais. Tu connais, tu, il, il te parle de, 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 de façon évidemment par la parole. C'est la première chose. Dieu nous parle par la parole. Il va te parler par des messages, donc tu vas être attentif à ce qu'il qu te dit. Donc aussi, louer Dieu. Prendre, prendre le temps de louer Dieu, de le remercier pour tout ce qu'il fait. Louer Dieu, c'est le glorifier verbalement. C'est ce que nous faisons quand, quand nous chantons des pratiques à, à l'église ou même chez nous. Tout simplement, donc, prendre le temps de louer Dieu, c'est de l'honorer, c'est de le remercier pour tout ce qu'il fait. Le remercier, c'est dire qu'on dépend de lui. On, le remercier, c'est dire qu'on sait que c'est lui qui pouvoir à tout et que c'est un signe de dépendance. Donc, on l'honore dans ce sens-là, on l'honore en le remerciant. Faites confiance à Dieu. Faites confiance à Dieu dans, dans tout ce qui arrive dans ta vie. Va en prier, Dis à Dieu, je te fais confiance. Prie, demande à Dieu d'agir. C'est l'honorer. Lorsque tu t'abandonnes à lui et tu le fais confiance, donc c'est de cette façon, tu l'honores. Donc, tu passes du temps avec lui, tu le loues, tu le remercies, tu le fais confiance. Et donc, c'est une façon d'honorer Dieu. Et pratique l'amour qu'il a mis en toi. Dieu nous a aimés d'abord, mais il a mis son amour en nous qui nous permet d'aimer, d'aimer nos prochains. C'est ce que que nous sommes imparfaits, nous sommes mais nous l'honorons quand, quand, quand nous aimons les autres. Nous l'honorons quand nous faisons signe, quand, quand nous avons un comportement d'humilité envers les autres, quand on, regarde, quand, on, quand on regarde les autres plus haut que nous, quand on respecte les autres, quand on les traite avec bienveillance. Quand nous, nous agissons, nous n'empêchons pas nos voisins même de dormir, quand, quand nous ne nous nous critiquons pas les autres, quand nous sommes patients envers nos collègues, envers nos amis, quand nous sommes patients au supermarché, quand nous laissons les autres passer en avant de nous euh, par coup ben, on est en train de pratiquer l'amour et d'honorer Dieu par nos comportements. Donc, tout ce que l'on fait, on peut honorer Dieu de cette façon. Donc, soyez généreux, soyez généreux. Donc, de, de plusieurs façons, vous pouvez. Euh, vous avez des gens que vous connaissez, vous pouvez, s'ils euh, sont dans le besoin, vous avez vos parents, des parents, et s'ils sont dans le besoin, votre famille, soyez généreux. En faisant cela, vous êtes en train de d'honorer Dieu. Évidemment, et, euh, vous pouvez aussi être généreux et, euh, dans les œuvres de, de Dieu pour, pour faire avancer son évangile. C'est une façon aussi de l'honorer. Et de quoi, au lieu de dire, oui Seigneur, je veux contribuer pour l'avancement de ton évangile. Donc, soyez généreux de cette façon. Aussi, utilisez, utilisez vos talents pour servir les autres. Utilisez vos talents. En faisant cela, c'est Dieu qui donne les dons. C'est Dieu qui donne la connaissance. C'est Dieu qui donne l'intelligence. Tout ce que vous faites, c'est Dieu qui vous donne la capacité de le faire. Donc, en le faisant, vous êtes en train de l'honorer. Vous êtes en train d'honorer ce qu'il a mis en toi. Donc, sois de bons dispensateurs. Donc, utilise ton talent pour servir les autres, que ce soit à l'église, que ce soit dans ton voisinage, que ce soit au travail. Aide les autres dans ce que tu peux faire. Aide les autres. Mais si tu es à l'église, tu veux servir, évidemment, tu peux prendre, tu peux prendre une feuille d'implication pour mettre tes dons, tes talents au service des autres. C'est une façon d'honorer Dieu. Et une autre façon de le faire, c'est de prendre soin de ta santé. Prendre soin de ce corps qui t'a donné. Glorifier Dieu. Glorifier donc Dieu dans votre corps. C'est ce que va dire Paul aux Corinthiens 1 Corinthiens 6, verset 20, 20. Glorifier Dieu dans votre corps, c'est une façon d'honorer Dieu quand tu prends soin de ton corps. Quand tu t'efforces de bien manger, quand, tu, quand tu, tu fais des exercices, quand tu n'abuses pas de l'alcool, quand, quand tu évites de, de, de fumer. Et, ou de prendre des drogues. Ici, on n'essaie pas d'être légaliste quand je parle de la cigarette, mais je parle d'une façon de ne pas détruire ton corps, d'en de, de, prendre soin. Évidemment, il y en a qui vont parler de café, mais ça n'a pas les mêmes effets, évidemment. Donc, ce qui est important, je ne suis pas pour, je ne vais pas tout citer, mais c'est de prendre soin de ton corps que Dieu t'a donné. Prends soin de ta santé que Dieu t'a donné De bien manger. De, de, de protéger ce qu'on a. Ce, ce qu'on a, il est physique, mais c'est Dieu qui te l'a donné. C'est une façon de l'honorer en faisant cela. Ayez aussi des, des loisirs sains. Donc, évidemment, ici, on veut pas tomber dans, dans le légalisme, mais ayez des, des loisirs sains. Donc, quand, peu importe ce que vous faites, quand vous écoutez, il faut que ce soit, peu importe ce que vous écoutez, que ce soit des films, peu importe... Regardez si ça peut être, si c'est honorable, si ça mérite l'approbation de, de Dieu. Donc, je ne peux pas vous dire quoi faire par rapport à ça. Mais il y a des loisirs, c'est qui, uh, qui ne vous amènent pas à pécher, en fait. Aussi, c'est honorer Dieu. Le dernier point je pourrais vous dire ici, c'est d'aligner votre volonté avec celle de Dieu. Donc, avant même de prendre des décisions, ben, gardez les commandements de Dieu, priez Dieu, regardez ce que c'est ce que Dieu te recommande de faire. Comment il va le faire? ce qu'il y a un ange je va, va descendre? Je ne pense pas. Mais je pense que, que Dieu a plusieurs façons qui peut te montrer que tu es, que tu es dans sa voie. Ben, la meilleure façon, c'est quand tu lis sa parole, tout ce qui est, qui est contraire à sa parole, donc ce n'est pas dans sa volonté. Donc il a déjà répondu à des milliers de, de prières, de façons. Tu vas dire, est-ce que c'est dans sa volonté? Mais lis la parole, tu vas voir si, est, si tu es dans sa volonté. Christ va dire, si vous me gardez mes commandements. Donc, c'est une façon d'être dans la volonté de Dieu de glorifier. Donc, nous glorifions Dieu quand nous essayons de suivre l'exemple de, 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 de notre Seigneur Jésus qui gardait les commandements. Quand nous limitons, quand nous estimons hautement la ligne de, de, de la vie divine qu'il a, qu a vécue. Donc, évidemment, aucun de nous ne peut glorifier Dieu parfaitement. Et qui nous sommes? Nous sommes, nous sommes des gens nous sommes des gens pécheurs. Mais nous comptons sur lui. En conclusion, dans Jean Jean, Jean va dire au chapitre 4, verset 24, Dieu est Esprit. Il faut ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Donc en esprit et en vérité, Dieu est Esprit. Il faut que ce ceux qui l'adorent l'adorent en esprit en vérité. L'esprit, en vérité, veut dire que notre vie doit être en accord avec ce que nous proclamons de Dieu et vivre conformément à ce qu'il qu nous demande. Il est saint et il désire aussi que nous soyons saints. Nous ne pouvons prétendre adorer Dieu en esprit alors que la, ré la réalité de notre vie intérieure est pleine de mensonges, de cupidité, de convoitises. Donc, nous ne pouvons pas l'adorer en esprit en vérité de cette façon. Moïse va, va enseigner le peuple à aimer Dieu. Dans Deutéronome 6, verset 5, il va dire, il, il va dire aux Israélites, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout, et de toute ta force. Notre amour pour Dieu est le moteur de notre adoration. C'est ça qui nous amène à adorer Dieu. Nous l'adorons comme nous l'aimons. Donc, si tu aimes Dieu, tu vas vois, tu vois, l'adorer de tout ton cœur, de toute ton âme. De toute ta force, donc tu vas, tu vas l'adorer de d'un cœur cesser. En fait, euh, Jésus a ajouté dans Marc 12:30 l'effet et euh, le, euh, la pensée. Donc, au Nouveau Testament, dans, dans Marc, on va, Jésus va ajouter non seulement il faut aimer Jésus, il faut, il faut aimer Dieu de, de, de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, mais de toute ta pensée également. Donc, adorer Dieu en esprit, en vérité, implique donc forcément de l'aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. Donc la véritable adoration doit être en esprit, c'est-à-dire qu'elle doit impliquer tout le, le cœur. C'est de cette façon que tu vas honorer le Seigneur d'un cœur sincère. C'est vraiment dans en, en, en l'aimant de, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta, ta pensée. Donc, euh, c'est comme, euh, tu peux pas dire que tu aimes quelqu'un. Comment tu pourrais dire que tu aimes ta femme si, si, si tu es en train de, 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 de la tromper? Tu ne peux pas dire que j'aime ma femme, mais je peux voir pas tout ce que je veux. Mais c'est pas un amour. Donc, ton cœur n'est pas sincère. Donc, c'est pour ça que je dis, en aimant Dieu de tout ton cœur de toute ton âme, de toute ta force. Donc, tu l'aimes, tu aimes Dieu de façon euh, sincère et tu veux vraiment lui faire, lui faire plaisir. Donc, euh, le titre du message était vraiment oh ⁇ nom le Seigneur de cœur sincère ⁇ Dans ce que je vous ai parlé aujourd'hui, c'était ⁇ La parole de Dieu avant les traditions ⁇ Je suis en train de vous faire un résumé de des points. La parole de Dieu avant les traditions. Donc, c'est-à-dire que euh, c'est la parole de Dieu qui compte. Ce n'est pas ce qu'on pense, ce n'est pas nos coutumes. On doit essayer de... On et euh, faire notre possible avec la grâce de Jésus de respecter les commandements de Dieu. Et, et des fois, ça peut être dur, mais ce n'est pas ce qu'on pense ou notre tradition, notre façon de faire qui est importante. C'est ce qui sont importantes, est important, mais c'est vraiment et ce que la parole de Dieu dit. Et, euh, donc, comme on a vu les scribes, les pharisiens essaient de, de prendre Jésus sur, sur des traditions qu'ils ont ajoutées alors qu'ils ne respectaient pas les commandements de Dieu. Donc, on a vu aussi d'adorer Dieu avec un, avec un cœur sincère, donc un cœur sincère avant l'adoration. Tu peux vouloir adorer, tu peux vouloir l'honorer, tu peux vouloir lever les mains à les prier, mais si ton cœur n'est pas sincère, euh, c'est comme si tu faisais cela en vain, comme Matthieu l'a dit, donc tu loues Dieu, tu honores Dieu de cœur avec... Avec, avec des lèvres qui sont impures dans un certain sens. Donc tu veux honorer Dieu mais ton cœur ne l'appartient pas. Comment tu fais pour honorer Dieu si ton cœur ne lui appartient pas Donc je vous ai parlé comme dernier point d'honorer Dieu par ta vie. Donc ta vie, tout ce que tu fais, je vais donner quelques exemples. Ce sont juste des, 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 des exemples d'encouragement qui peuvent te dire comment tu peux adorer, honorer Dieu dans ta vie. Dans tout ce que tu fais, soit en passant du temps et euh, dans sa parole, soit en prenant soin de ta santé, soit en étant gentil, soit en aimant les autres, soit en, en servant à l'église ou, ou ailleurs, ou soit utiliser les dons que Dieu te donne. Et ce sont tous des exemples que tu peux honorer Dieu dans tout ce que tu fais. Donc, l'honorer vraiment avec un cœur sincère, ça veut dire que tu intègres vraiment tout ce qu'il dit dans ta vie. Donc, tu, tu veux vraiment. Tu veux vraiment l'honorer et lui montrer ton amour. J'ai dit beaucoup de choses. Par nous-mêmes, évidemment, nous sommes littéralement incapables, incapables de faire tout cela. Nous sommes trop faibles, mais par Jésus-Christ, notre Seigneur, nous pouvons vivre de manière à plaire à Dieu. Nous pouvons essayer et par l'Esprit de Dieu qu'il a mis en nous, il peut nous guider. Pour, pour euh, lui, lui faire plaisir. Ce ne sera peut-être pas parfait. Des fois, nous allons faire des erreurs, des fois, nous allons tomber, mais par sa grâce, il peut nous relever. Comme et, euh, il a dit dans Zécharia par la Zorobabel, comme Dieu a dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'esprit. Donc, tu n'as aucune force, aucune puissance qui vient de toi. C'est l'esprit de Dieu qui va t'aider. Et à euh, Jésus-Christ lui-même qui va t'aider à. Euh, à marcher dans ses voies, à respecter ses commandements, à lui faire plaisir, à l'honorer d'un cœur sincère. Maintenant, si tu es dans une situation, tu te sens un peu mal à l'aise par rapport à ce message parce que euh, tu te poses beaucoup de questions. Et, euh, je t'invite, je t'invite vraiment à prier, à prier le Seigneur, à, à t'abandonner à lui à t'abandonner à lui, à lui dire, Seigneur, me voici, regarde, je veux vraiment te servir. Je veux vraiment t'honorer par ma vie. Je veux vraiment quand je, je lève mes mains pour te louer que je suis sincère. Ça se peut que ça soit difficile, je ne sais pas dans quelle situation que tu es. Mais abandonne-toi à lui. Moi, je ne peux pas t'aider, un autre ne peut pas t'aider, mais Jésus, lui, peut t'aider. Si tu pries de cœur Seigneur, tu lui demandes de, de t'aider, tu lui demandes d'abandonner un péché, tu lui demandes d'abandonner une façon de vivre, tu lui demandes d'abandonner une, une, une addiction ou une dépendance, il peut t'aider. Lui seul peut t'aider. Il n'y a rien qu'on puisse faire par nous-mêmes. Tout ce que je viens de dire, c'est tout, tout se fait par la puissance du seul Seigneur, du, du Seigneur, par la puissance de notre cher Jésus. Et si vous m'écoutez, vous ne connaissez pas ce, ce Dieu, vous ne connaissez pas ce Jésus, et tu aimerais à le rencontrer, tu aimerais l'accepter comme, comme ton sauveur, tu aimerais en faire partie de la grande famille de Dieu. Où est-ce que tu es? Tu peux évidemment euh, le prier et lui dire de venir dans ton cœur et lui demander de l'accepter, de venir dans ton cœur et de l'accepter comme ton sauveur personnel, de reconnaître que, que tu es un pécheur et que tu as besoin de sauveur, de reconnaître que sans lui, tu ne peux rien. Il peut tout. C'est lui la force. Il peut tout pour, pour nous. Donc ce n'est ni par la force ni par la puissance. Donc euh, si tu veux, je vais, je vais prier pour toi. Et donc si tu décides de donner ta vie au Seigneur, euh, la prochaine étape c'est de te joindre à une assemblée qui pourra t'aider à grandir et avec un Jésus, en marchant avec tu de façon fidèle, prions Dieu. Merci Seigneur pour ta parole, merci pour tous les gens qui ont pu écouter cette parole. Nous te demandons que ta parole ne soit pas retournée à trois sans effet. Comme le dit si bien ta parole, nous te demandons autant de repères célestes, de nous bénir, de nous aider à à marcher avec toi. Nous te demandons au de Père de bénir le petit effort que chacun va faire pour te servir et de multiplier. De multiplier, deux fois nous sommes fatigués, nous sommes pas capables, nous tombons à chaque fois, nous nous relevons de, avec de, de peine et misère. Mais Seigneur, lorsque tu es dans la barque, quand tu es avec nous, nous savons que nous, nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Aide-nous à marcher avec toi. Aide-nous à avoir un cœur sincère. Nous nous livrons à toi. Et s'il y en a qui ont décidé de marcher avec toi, autant de repères célestes, de t'accepter comme leur sauveur personnel, autant de repères, nous te demandons de, de les accompagner, nous te demandons, éternel, de les recevoir dans ton paradis. Nous te demandons, autant de repères célestes, qu'ils puissent marcher avec toi, qu'ils puissent reconnaître qui tu es et qu'ils puissent à chaque jour, expérimenter ta puissance, ta gloire. Nous te prions non pas que nous soyons bons ou dignes, mais c'est dans le nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen.